Je vous écoute, racontez-moi ce qui vous arrive. Il y a à peu près 2 mois, notre fils Daniel a commencé à avoir des crises. Il a les yeux grands ouverts alors qu'il est endormi. Il essaie de dire quelque chose, mais tout son corps est paralysé. Daniel, tu fais ce qu'on appelle des paralysies du sommeil. Tu imagines une présence effrayante dans ta chambre. Ce n'est que dans ta tête. C'est ton imagination. Mais il n'est pas le seul. Ces cauchemars, on les fait. Tous les quatre. Vous allez dormir dans la même pièce que vos parents. Vous vous sentirez en sécurité. Nous pourrons garder un œil sur vous pendant votre sommeil. Il y avait quelque chose avec nous, dans la pièce. Je veux bien être pendu si je rêve. Ça arrive quand je m'endors. C'est comme une ombre. Le cauchemar. Ce fantôme existe depuis que l'homme a appris à rêver. Cette vermine se glisse dans votre sommeil. Elle paralyse le sommeil de l'enfant pour pouvoir l'écraser. Vite, aidez-moi ! Oh, vous aviez promis de nous aider ! Ah ! Non !